எழுத்து கருத்தில் உறும் நற்கனியே. மின்னே ஒளிய நின்ற விழவே என் சத்குருவே. Thank you.
Shakti Tava Jananam Kala Najanati Tava Samapanam Drushto Maya Tava Mahakarah Yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Kala. Keep your attention between your eyebrows, keep your eyes closed and keep your attention between your eyebrows. Slightly upturned face. Fabi. Thank you.
samsara saram bhujagendra haram sadhavasantam hridayarvindhe bhavam bhavani sahitam namami. Karpura Gauram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendraharam Sadavasantam Hridayarvindhe Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Karpura Gauram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendraharam Sadavasantam Hridayarvindhe Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Take your own time. Take your own time and slowly, very slowly, please open your eyes. Welcome and blessings for Guru Purnima. It's wonderful, wherever you are in the world. I know those of you who are in Europe and UK, you're sitting up very early in the morning. Those who are here in United States, we've been frying them in hot sun for the last 2 days. Just now we cooled them off with a big shower and the ladies cannot hear. Please take care of the audio for them. Well, one big shower, everybody is drenched and cool. Last 2 days they've been fried and roasted in the sunlight. See, the arrangement is just perfect. This moon, this July full moon, do something about the audio, otherwise you please move in a little closer, please. Otherwise the rest of the world will think, what are the Americans fussing about? Okay. this full moon is the super moon of the year. On this day, the moon is a little over 18,000 miles closer to Earth than any of the full moons through the year. So that means… Donc ça veut dire que les forces gravitationnelles fonctionnent sur vous mieux que jamais. Ceux d'entre vous qui essaient d'y échapper avec vos parapluies, c'est pas grave, ça marche à travers le parapluie aussi, je blague. Donc, quelle est la signification?
ou l'importance du fait que la Lune soit plus proche. Quelle est l'importance? L'importance, c'est qu'aujourd'hui, la Lune est si proche que les liquides de cette Terre s'élèveront. Si vous ne savez pas, je suis sûr que vous le savez. Donc quelqu'un est devenu éveillé à l'arrière, ok? Vous voyez, certains sont venus s'asseoir devant en pensant que ça leur arriverait, mais c'est arrivé dans le fond. Vous savez, quelqu'un a dit, ceux qui se tiendront dernier se tiendront premier, quelqu'un a dit. Mais ces gens-là se tiennent dernier parce qu'il y a un grand arbre là-bas. Donc, tout ce qui peut s'élever s'élèvera cette nuit. C'est mon souhait et ma bénédiction que vous ne devriez pas le manquer. Vous devriez vous élever. Quand les océans s'élèvent, quand des millions de tonnes d'eau essaient de s'élever à cause de la force gravitationnelle de la Lune, croyez-vous que les fluides dans votre corps ne s'élèveront pas? Quand je dis les fluides, il ne s'agit pas seulement du sang. Presque tout dans ce corps, la mécanique de ce corps, la nutrition de ce corps, les diverses expériences de ce corps sont contrôlées par les sécrétions des glandes. Donc quand la Lune est si proche et elle est pleine, tout s'élève. Si vous vous maintenez dans la bonne attitude, les bonnes choses s'élèveront. En cette nuit, si vous êtes en colère ou en anxiété ou dans la misère, c'est cela qui s'élèvera. C'est pas moi, c'est la Lune, vous savez. Mais si vous restez méditatif, joyeux, en paix, aimant, c'est ça qui s'élèvera. C'est pourquoi le satsang, pour que, au moins pour ces quelques heures, vous soyez bien et les bonnes choses s'élèvent en vous. Parce que la vie est faite pour ça. Quelles choses s'élèvent en vous? Quelles choses atteignent le pic en vous, le sommet en vous? Est-ce que ce sera votre rancœur, votre colère, ou votre joie, ou votre béatitude? Ce n'est que cela qui décide la qualité de votre vie. Tout ce que vous êtes n'est que ceci. Qu'est-ce qui s'élève en vous? Il n'y a pas de problème. C'est cela que ça veut dire l'éveil. Ça arrive toujours avec une explosion. Ceux d'entre vous qui portent des parapluies avec de la ferraille, mettez-les par terre, s'il vous plaît. Ceux qui portent des parapluies avec une pointe en fer, s'il vous plaît, mettez-les par terre. C'est pas grave si vous êtes un peu mouillé. Vous êtes bien ancré, vous savez. Donc même si l'éclair vous frappe, il passera à travers vous. Ne vous isolez pas de la terre, autrement ça reste avec vous. Donc, si quelqu'un est très anxieux à ce sujet, vous pouvez vous déplacer, mais ce n'est pas obligatoire. Un être humain est une combinaison de diverses compulsions et de conscience. Les compulsions sont de l'ordre de la survie, des instincts reproductifs qui représentent la survie de l'espèce, la survie émotionnelle et psychologique, et la survie sociale et financière. Et si vous avez d'autres types
d'autres types. Tous mis ensemble occupent toute une vie pour beaucoup de gens. La plupart des êtres humains ne deviendront peut-être ou ne s'approcheront peut-être jamais d'être conscients. Pas parce que c'est loin, pas parce que la conscience est quelque chose de difficile. C'est juste que, bien que ce soit l'aspect le plus vital de votre existence, vous ne le voyez pas. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne le ressentirez pas. C'est comme l'air, vous ne le voyez pas. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne savez même pas que vous respirez. Combien d'êtres humains sur cette planète, en 24 heures, au moins pendant 5 à 10 minutes, ils sont conscients qu'ils respirent, à moins qu'ils soient asthmatiques, à moins qu'il y ait une difficulté à respirer, ils ne le remarqueront pas. Alors que c'est la chose la plus vitale, si vous vous arrêtez pendant 2 minutes, vous êtes parti. Mais non. La conscience est encore plus vitale que l'air que vous respirez. C'est même une erreur de référer à la conscience comme quelque chose d'autre parce que c'est vous. Ce n'est pas quelque chose d'autre que vous. Eh bien, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre processus de pensée, ce n'est pas vos émotions, ce n'est pas les arrangements que vous avez créés autour de vous. C'est vous, celui-ci. Parce que c'est le plus évident, à la fois, ça semble être le plus élusif. Ce n'est pas élusif. C'est juste que si vous regardez vers l'est, vous ne voyez pas l'ouest. Si vous regardez vers l'ouest, vous ne voyez pas l'est. More people are getting enlightened. I wish the flashes were going from here up. Coming. A guru arises because most people are not seeing what is not only right in front of their eyes, but also what is within their eyes, they cannot see. Mais aussi ce qu'il y a dans leurs yeux, ils ne voient pas. Simplement parce qu'ils sont investis complètement dans une autre direction. Comme je l'ai dit, à différents niveaux de survie qui est encore plus compliqué par divers processus sociaux où les gens sont immergés dans le processus de survie. De bien des façons, ils meurent pour vivre. Ils meurent d'envie de vivre. Non, vous devez vivre et mourir un jour. Vous ne pouvez pas mourir d'envie de vivre. Si vous vous inquiétez toujours de votre processus de survie, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être meilleur que quelqu'un d'autre? Alors, toute votre vie va partir dans la survie. Eh bien, la survie est importante. Je ne dis pas que vous ne devriez pas vous en occuper. Seulement, si vous survivez, toutes les autres possibilités surviennent. La survie ne veut pas dire être meilleur que quelqu'un. La survie veut dire que vous maintenez la vie bien. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts, croyez-moi. C'est seulement quand vous voulez être meilleur que quelqu'un d'autre, alors ça devient toute une vie. Donc le gourou n'est pas ici pour donner une philosophie ou commencer une nouvelle religion. Le processus spirituel veut dire la vie et la vie plus profonde.
Un gourou est comme une porte. Si vous regardez une porte d'une distance et vous voulez y aller, en réalité, l'intention est de la traverser, mais d'une distance, la porte elle-même est la destination. Donc si vous êtes loin, le gourou est votre destination. Comme vous savez, je ne sais pas, peut-être que la plupart des nations n'ont pas cela. En Inde, il y a le portail de l'Inde. Ce n'est pas que tout le monde qui entre dans l'Inde passe par cette portière, c'est un monument. C'est une barrière ou un portail. Donc, si c'était la seule entrée, si vous vouliez aller en Inde, je regarderais ce portail comme ma destination. Donc, dans ce sens-là, le gourou est une destination. Ce n'est pas une question d'être loin en termes physiques. Ce n'est pas la distance en kilomètres. C'est si vous êtes investi dans quelque chose, vous êtes loin. Investi dans votre monde rêvé, social, psychologique, émotionnel. Alors le travail du gourou de vous amener au monde du créateur. Parce que vous avez commencé à créer votre propre monde. Vous avez commencé à créer votre propre monde dans votre mental et commencé à y vivre. Donc le travail du gourou est de vous amener au monde du créateur, ou si vous ne le comprenez pas, le monde de Dieu. Donc que devrais-je faire pour atteindre le monde du créateur ? Vous n'avez rien à faire, vous y êtes déjà. Vous devez juste vous y installer un petit peu. Vous devez apprendre à respirer consciemment. Votre cœur devrait battre consciemment. Chaque pulsation du corps devrait avoir lieu consciemment. Par-dessus tout, la conscience, qui est la source de qui vous êtes, devrait devenir l'avant de qui vous êtes. Là maintenant, probablement jusqu'à 20-25 ans, c'est le corps qui est l'avant de votre vie. C'est pourquoi, vous savez, aux États-Unis, c'est devenu une habitude. Les gens viennent me voir et me disent « Sadhguru, j'ai fait ceci, ceci, ceci. » Je leur dis « Pourquoi vous avez fait quelque chose de si stupide ?» Ils me disent « Sadhguru, j'avais seulement 18 ans. » Ah, je ne savais pas qu'à 18 ans, vous deviez être stupide et petit à petit, vous devenez plus intelligent et juste avant de mourir, vous êtes vraiment intelligent. Vous devez devenir intelligent tôt, c'est très important. Donc, c'est simplement parce que vous avez investi dans des choses que vous avez créées. Être impliqué avec la vie n'est pas le problème. Mais quand je dis investi, vous devenez identifié avec des choses que vous créez. Une fois que vous identifiez à des choses que vous créez, alors toute la création fantastique qui est ici, pour laquelle il n'y a aucune comparaison ailleurs parce qu'il n'y a nulle part d'autre. Il n'y a que ceci. Mais vous allez complètement passer à côté. Parce que vos pensées, vos émotions, vos idées, vos philosophies, vos systèmes de croyances ou votre écran de téléphone vous maintiendra occupé. Vous ne verrez jamais la réalité pour ce qu'elle est. Donc, le travail d'un gourou est mondain, très mondain, de vous faire voir ce qui est toujours là. C'est pas comme si tout d'un coup une étoile filante arrive, regardez, regardez, pas comme ça. C'est toujours là. Pourquoi on ne le voit pas ? C'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ce qui est toujours là ? Eh bien, vous savez, il y a une histoire à ça. Il y a une histoire.
Vous avez un pédigré d'ignorance. Parce que, vous savez, c'est arrivé dans le Mahabharata. Cet Arjuna a demandé à Krishna, quelle est la nature de cette vérité dont tu parles? Où est-elle? Est-elle ici? Est-elle là? Où est-elle? Krishna rit. Il rit et dit, la vérité ultime de ta vie est au bout de ton nez. Donc maintenant, tout un tas de gens ont commencé à se concentrer sur le bout de leur nez. Et si vous vous concentrez sur le bout de votre nez, en 3 minutes, vous aurez un sérieux mal de tête. Si vous êtes chinois ou japonais ou vietnamien, vous l'aurez en 1 minute. Il vous dit, c'est la chose la plus évidente. Il ne dit pas que la vérité est assise sur votre nez. C'est la chose la plus évidente. C'est ici. Si c'était ailleurs, on aurait pu courir derrière. On aurait pu faire la course. On aurait pu faire la course dans cette direction et la trouver. Mais c'est ici même, toujours. À l'intérieur, à l'extérieur, la même chose. Donc, de démontrer ceci, bien que ce soit si simple, les gens le rendent si complexe. Eh bien, il y a aussi une tradition où les gens... Vous voyez, les gourous morts sont des bons gourous. Allô? Oui ou non? Parce que si vous trouvez un gourou mort, vous pouvez le tordre, le plier, le rendre comme vous voulez, très doux et aimant. Non seulement ça, vous pouvez peindre des images de lui qui marche sur l'eau, qui vole dans le ciel, qui fait du voyage astral dans les nuages. Ça ne prend que 50 à 100 ans. Après ça, toutes sortes de miracles commencent à arriver. Mais je vous dis, je suis un gourou très ordinaire. Et je suis très conscient d'agir de telle sorte à ce que personne ne me voit comme étant spécial. Juste un peu plus ordinaire que les autres. Je suis toujours conscient d'être comme ça. À cause de ça, certains penseront peut-être que je suis extraordinaire. Ça, c'est leur façon de voir les choses. Mais je suis très ordinaire, plus ordinaire que la plupart des gens. Jamais à essayer d'être spécial. Pourquoi je vous dis ceci? Essayer d'être spécial, agir de façon spéciale, ça veut dire que d'une certaine façon, le Créateur a fait une erreur avec vous. Vous devez ajouter quelque chose de plus. Vous entendez? Ils demandent du volume. Vous devez ajouter quelque chose de plus. Au moins une auréole. Quelque chose en plus. Vous n'avez besoin de rien en plus. La vie est venue entière. Absolument entière. Chaque vie. Quand on en vient à la prouesse physique, ce qu'une personne peut faire, une autre n'est peut-être pas capable de le faire. Quand on en vient aux capacités intellectuelles, ce qu'un peut faire, un autre ne peut peut-être pas le faire. Mais quand il s'agit du processus de la vie, tout le monde est venu absolument entier. Si on parle du processus spirituel, tout le monde est venu avec la même possibilité. C'est juste que certains sont peut-être un peu mieux orientés. À cause de ça, ils trouveront peut-être des résultats un peu plus rapidement.
Ou ça peut être juste que certains essaient d'apprendre du gourou. Vous pouvez continuer à apprendre, ça prendra plusieurs vies, comme je l'ai déjà dit. Dans cette vie, si je vis assez longtemps et que je fais de mon mieux, mon mieux, ça veut dire 7 jours par semaine, etc. Si je fais tout ça, probablement que je partagerai 2% de ce que je connais. Si j'arrive à faire 2%, ce serait génial. Donc, si vous apprenez, c'est un long processus. Certains s'approchent plus et accueillent ou embrassent le gourou. Grâce à ça, ils ont une expérience plaisante. Ils vivent de façon joyeuse et paisible, peu importe ce qui se passe dans leur vie, parce qu'ils ont touché la grâce. Mais une autre manière, c'est que quelqu'un vient se dissoudre dedans. Parce que, un peu plus profondément, le gourou est comme de l'acide. Oui, je suis toujours comme de l'acide, vous pouvez le voir. Vous pouvez juste vous dissoudre dedans. Si votre cœur bat pour votre gourou, ou votre respiration a le sentiment de votre gourou, ou vous ressentez votre gourou comme votre libération, tout ça vous est laissé libre. Un gourou peut être votre respiration, votre battement de cœur, ou votre libération. C'est votre choix. Certaines choses, vous pouvez apprécier. Certaines choses sont de telle nature que vous devenez une partie d'autre chose. Il n'y a rien à apprécier, mais c'est comme ça. Donc, comment aborder un gourou? Comme je l'ai dit, vous pouvez apprendre à vous incliner d'une certaine distance. Vous pouvez apprendre, vous pouvez inclure, ou vous pouvez vous dissoudre. Aujourd'hui est Guru Purnima. C'est votre choix. Quel que soit votre choix, je suis avec vous. Je n'insiste pas sur ceci ou cela. Comme je l'ai dit, je ne suis pas ici pour créer des philosophies, créer des nouvelles idéologies ou une nouvelle religion. Non. Créer une atmosphère forte avant que je parte. Créer des espaces immenses d'acide où les gens peuvent venir se dissoudre et en faire partie. Je sais que l'acide est un mot négatif, je peux dire un solvant, mais vous savez, je suis un peu engagé à utiliser de la terminologie négative toujours. Parce que si j'utilise de la terminologie positive, les gens laissent leur imagination s'échapper. Parce que les gens, dès leur petite enfance, dans la plupart des cultures, ils sont nourris aux anges et au paradis. Si un gourou, un sage ou un saint vient, il marchera toujours dans l'air et jamais par terre. Des choses incroyables. Je vous ai aussi parlé d'un sage. Donc, rien de tout ça. Juste ordinaire, très ordinaire. Plus ordinaire que la plupart des gens. D'ailleurs, pendant ce mouvement Save Soil, je continuais à dire à tout le monde, beaucoup de leaders étaient très surpris, des ministres, de l'environnement, etc. Quand ils me demandaient, Sadhguru, comment vous savez ceci, comment vous savez ça? Je leur ai dit, vous savez, je suis juste un ver de terre. Je ne peux pas tout intellectualiser, mais je peux vous dire que c'est comme ça que ça marche, parce que je suis comme un ver de terre. Habituellement, vous appelez quelqu'un un ver de terre quand vous pensez qu'il est la plus moindre des créatures. Mais en réalité, si vous appelez quelqu'un
un ver de terre, vous l'élevez et vous lui dites, vous êtes la fondation de votre vie. Vous ne faites pas ça, vous pensez qu'ils sont moi. Mais en réalité, vous appréciez le fait qu'elle est la fondation de votre vie. Au 21e siècle, quel est l'avantage d'être éveillé? Ceci est arrivé. Ceci pourrait être mon arrière-grand-mère. Une femme de 108 ans, on lui a demandé, quelle est la meilleure chose du fait d'avoir 108 ans? Elle a dit, pas de pression de mon entourage. Donc, la manière de gérer vos rêves, si vous n'apprenez pas à gérer vos rêves comme un jeu, avec légèreté, si vous devenez identifié et investi dans vos rêves comme s'ils étaient une réalité, pour beaucoup d'entre vous, partout dans le monde, ceux d'entre vous qui sont dans le milieu de la nuit, je ne parle pas des rêves que vous avez. Non, tout ce à quoi vous pensez, votre processus émotionnel, psychologique, c'est votre rêve. C'est peut-être pas très sympa de dire ça, mais c'est Guru Purnima, c'est bonjour, je peux dire ce que je veux. Allô? Donc, supposons que vous allez dire à quelqu'un, sincèrement, vous allez lui dire je t'aime. Ça, c'est un rêve. En réalité, en Inde, si vous dites ça, les gens diront c'est moha. Moha veut dire c'est un rêve, c'est une illusion. Parce que vous le créez dans votre mental. Maintenant, vos émotions sont liées au processus de pensée. Et boum, ça devient plus réel que tout l'univers. Oui, non. Allô? Vous vous souvenez de cette fille? Vous vous souvenez de cette fille au lycée? Elle était plus réelle que le cosmos, n'est-ce pas? Ça, c'est moha. Ça veut dire votre mental crée des illusions pour vous emmener quelque part. Il a ses propres objectifs, je ne vais pas rentrer là-dedans. Essentiellement, la nature veut que vous fassiez certaines choses parce qu'elle a ses propres objectifs. Elle a travaillé tellement dur à travers le processus d'évolution d'un animal à une cellule jusqu'à créer une vie si complexe. Elle ne veut pas que vous deveniez juste tous éveillés et soyez assis comme ça et soyez fantastiques. Elle veut que vous traversiez tout le travail et vous savez, la prochaine couche de personnes doit venir. Donc, elle a ses propres objectifs. Donc, soudainement, vous savez, en Inde, il y a des noms comme ceci pour les femmes. Chandramukhi, ça veut dire qu'elle est comme la lune. Si quelqu'un doit avoir un visage comme une lune, elle doit être vraiment... Bref, peu importe. Essentiellement, on essaie de dire qu'elle est plus belle que la lune. Et elle aura l'air bien plus belle que la lune et que quoi que ce soit d'autre dans l'univers, parce que la nature a une certaine manière de vous gérer, de gérer vos rêves, pour vous faire croire absolument que c'est tout ce qu'il y a dans l'existence. Certains d'entre vous deviennent éveillés rapidement à cause de l'autre personne, ou des fois par vous-même, si vous êtes sage, ou des fois ça tourne pendant plusieurs années, et puis petit à petit vous comprenez. Mais même là, sur votre lit de mort, vous tenez la main de quelqu'un et vous pensez que c'est ça. Mais vous devez comprendre que personne ne viendra avec vous. Donc je n'essaie pas de rabaisser l'amour des gens.
leur désir, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que vous devez jouer à ces choses un peu légèrement. Alors seulement vous aurez l'énergie nécessaire pour explorer quel est le cœur de votre vie. Est-ce que c'est mal de faire ceci, cela que nous considérons actuellement comme la vie? Il n'y a rien de mal à faire quoi que vous fassiez. Vous pouvez faire toutes ces choses, mais vous ne devriez pas vous perdre dans votre rêve, n'est-ce pas? Oui, le problème, c'est que vous pourriez vous perdre dans votre rêve, et la pire chose serait que vous pourriez trouver votre chemin dans votre rêve. Si vous trouvez votre chemin dans votre rêve, alors vous êtes vraiment perdu, n'est-ce pas? Ceci est arrivé. Un matin, une jeune femme s'est levée le matin et a dit à son mari, « John, tu sais quoi? J'ai fait un rêve cette nuit. » « Ah oui, bébé, quel était le rêve? Tu sais, dans mon rêve, le jour de mon anniversaire, tu m'as donné un collier de perles. Qu'est-ce que t'en penses ?» Il a dit, « Eh bien, ton anniversaire, c'est après-demain. Attends juste, tu verras ce que ça veut dire. » Et elle attendait le soir pour qu'il rentre. Puis il est venu avec un joli cadeau emballé et il lui a donné. Elle l'a ouvert, tout le papier, tout, elle a tout ouvert. Là, il y avait un livre, Le sens des rêves. Donc, parce que aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, même autour de moi, qui font ceci. Ils sont paranoïaques de leur santé. Ils font tous de la recherche médicale. We are having some trouble with people. You send them to the best doctor. The doctor says, see, this is the problem. Says, no, in the internet I read it is this. I have the most bizarre disease that you do not understand. So these internet doctors, just like that. Donc, ces médecins de l'internet, juste comme ça. Il y a des gourous spirituels partout, vous jouez un peu à ça aussi. Vous tous le faites aussi un petit peu. Parce que tout ce jargon qui existe depuis des centaines ou des milliers d'années, toutes sortes de termes, tout le monde utilise toutes sortes de choses. Donc, une chose importante, c'est que vous devez retirer toutes les impuretés de votre vie. Vous devez devenir pur. Comment? Eh bien, les deux dernières années, vous vous êtes trempé dans l'alcool. Ici, au Tennessee, les gens font ceci à l'intérieur et à l'extérieur depuis beaucoup d'années. Mais même les teetotals, comme on les connaissait avant, les gens qui ne boivent jamais d'alcool, même eux se trempent dans l'alcool depuis ces deux dernières années à cause de cette pandémie. Donc comment retirer toutes les impuretés et devenir pur? Vous débarrasser de votre haine, de votre colère? Oh, essayez s'il vous plaît, voyez. Si vous essayez pour un million de vies, ces choses ne partiront pas parce qu'elles n'existent pas. Vous les créez. Après un certain temps, ça peut devenir une habitude. Vous voyez, vous pouvez juste essayer ceci. Les trois prochains jours, vous tous. Faites juste. Ok, toutes les 5 minutes, vous faites ceci. Vous verrez, le cinquième jour, vous n'avez pas besoin de le faire, ça commence tout seul.
Parce que le corps, la structure du mental et du corps a une façon d'apprendre. Et ils font leurs propres choses après un certain temps. Ces jours-là, les athlètes, etc., appellent ça la mémoire musculaire. Vous pouvez avoir des muscles dans votre cerveau aussi. Ça peut arriver. Est-ce qu'il pleut trop pour vous? Vous devez leur montrer aux gens du monde, ces gens merveilleux qui sont assis dans la pluie. Then the customer opened the packet. Then Shankaran Pillai said, "Sir, one of them was rotten, so instead of you taking the trouble of trashing it, I did it myself." So, these are all tricks that have never worked. But they continue to be used forever. No, you don't try to become free of anger, donc, free of resentment, vous n'essayez pas de devenir libre de la frustration, de la colère. Non, si vous éclairez ceci, si vous énergisez ceci, ça débordera d'une autre qualité qui est l'inondation lavera tout. Au lieu de vous débarrasser de ceci, cela, parce que ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes en colère là maintenant? Donc comment vous en débarrasser? Est-ce que vous avez de la rancœur là maintenant? Donc comment vous en débarrasser? Pas quand il y avait de l'éclair, mais là tout de suite, est-ce que vous êtes effrayé? Donc comment vous en débarrasser? Comment vous débarrasser de quelque chose qui n'est pas là? Quelles que soient les expériences habituelles que vous avez, c'est parce que vous y avez investi un certain temps et une certaine énergie que ça a lieu. Si vous trouvez quelque chose de plus spectaculaire, est-ce que toutes les petites choses de votre vie tomberont par elles-mêmes? C'est tout ce que vous avez à faire. C'est de ça que je parle quand je dis conscience. Si vous trouvez ça, toutes les autres petites choses, de vos attractions pour la nourriture, la boisson, ce n'est pas que vous ne pouvez pas les apprécier. Mais ce ne seront pas des grandes choses. Elles sont là. Mais une fois que vous trouvez quelque chose de plus spectaculaire, toutes les autres choses partent simplement. Donc c'est là que votre investissement devrait être, de voir que vous y touchez maintenant dans cette vie, pas une autre fois. Dans cette vie, ça doit avoir lieu. J'ai promis que j'allais prendre des questions, mais
Il nous reste juste quelques minutes. Faisons ça. First preference with the online people, okay? They're not even getting wet, they're missing the whole scene. D'abord, priorité aux personnes en ligne, d'accord? Ils ne sont même pas mouillés, ils sont même pas ici. I'm glad all of you got it. Je suis content que vous avez tous compris. Oh. I didn't know people in Mumbai had nothing to do. Je ne savais pas que les gens à Mumbai n'avaient rien à faire. Ils sont habituellement très occupés. Eh bien, vous allez tuer du temps? Non, c'est le temps qui vous tue à chaque instant. C'est le temps qui vous tue. Ce n'est pas vous qui tuez le temps. But now that Kali is in picture, let me tell you what Kali means. Kali means she's time. All those skulls around her neck. I want you to understand the present imagery of Kali, les crânes of being feared, autour du cou de Kali. Je veux que vous compreniez le contexte de Kali qui est furieuse et qui coupe la tête des démons, etc. Kali existe depuis beaucoup, plusieurs milliers d'années. Ces dernières années, elle est devenue un peu plus plaisante, et je crois que ce sont des influences modernes. Mais essentiellement, ça veut dire qu'un jour, Kali veut dire le temps, et un jour votre crâne pendra autour de son cou aussi, parce que c'est le temps. À cause de ça, le temps est toujours en train de penser. Il ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Vous pouvez arrêter votre montre si vous voulez, mais le temps ne s'arrêtera pas. Seulement, les Américains ont l'habitude de changer, d'avancer une heure en avant, en arrière, une fois par an. Autrement, ça avance toujours. Une fois, j'ai fait un voyage dans le temps. Vous voyez, je ne suis pas un homme ordinaire. Dans le monde entier, tout le monde s'attend, attend que le gourou dise quelque chose de sage, mais je dis des bêtises, parce que c'est ça la sagesse de la vie, que vous ne deveniez pas très sérieux au sujet de votre existence. Amusez-vous un peu. Non, les garçons comprennent s'amuser un peu autrement. Je ne parle pas de ça, en vous-même. Faites l'idiot un petit peu, parce que vous êtes un idiot, assis sur cette petite boule de terre appelée la Terre, qui flotte au milieu de nulle part, et combien de choses vous pensez à propos de vous-même alors que vous n'êtes qu'un grain. À la fois en termes d'espace et de temps, vous n'occupez qu'un micro-grain de ce cosmos. Donc Kali représente à la fois le temps et l'espace. Le mot Kali signifie, Kala signifie le temps, ou Kala veut aussi dire le vide ou l'espace. Donc il n'y a qu'un terme en yoga pour le temps et l'espace, parce qu'on ne les voit pas comme étant quelque chose de différent. C'est l'intellect moderne qui essaie de le voir comme ceci. Parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a le point A et le point B, ça prend du temps pour voyager cette distance. En yoga, on ne le voit pas comme ça.
Parce qu'il y a le temps, il y a la possibilité d'un point A et de point B. Je dis que vous pouvez continuer à faire cette histoire de la poule et l'œuf avec. Donc on ne les voit pas comme différentes. Vous pouvez continuer à débattre qu'est-ce qui est venu en premier. L'espace en premier ou le temps en premier. La poule en premier ou l'œuf en premier. La vie est comme ça. Un jour, Shankar et Pillai, c'était une réunion de leur université, 20 ans plus tard. Donc ils sont tous allés à un grand restaurant. Et vous savez, quand il y a une réunion, ils doivent parler fort. Allô ? Parce que en 10 minutes, la moitié d'entre eux sera moitié sous. Donc vous devez parler très fort pour que vos amis, que vous n'avez pas vus depuis 20 ans, mais vos meilleurs amis, okay, pour avoir leurs attentions. Donc les autres sont occupés à boire et à parler. Et Shankaran Pillai et tout le monde a commandé toutes sortes de nourriture. Shankaran Pillai a faim, il attend juste la nourriture. Il n'est pas très intéressé par les conversations parce qu'il savait que même quand il était à l'université, il disait n'importe quoi. Maintenant, le n'importe quoi a pris de la maturité. Vous voyez, vous écoutez vos jeunes, vos adolescents, ils sont tout le temps. Vous dites de quoi ils parlent. Mais si vous écoutez vos propres conversations, c'est vraiment des stupidités. Parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais maintenant, ce sont les mêmes choses qui prennent d'autres formes. Donc Shankaran Pillai attend la nourriture, puis ce débat commence, est-ce que l'œuf est venu en premier ou le poule en premier? Ce débat prend place. Puis quelqu'un dit à Shankaran Pillai, hey, pourquoi tu restes assis juste comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Shankaran Pillai répond, peu importe ce que vous commandez en premier, c'est ça qui viendra en premier. Donc, Monsieur Prakash, le temps vous tue. Ne pensez jamais que vous pouvez tuer le temps. Ce que vous dites, c'est... Il n'y a rien que vous pouvez faire avec le temps. Vous ne pouvez pas utiliser le temps, vous ne pouvez pas tuer le temps. Vous pouvez vous utiliser vous ou vous pouvez vous tuer vous. Ça, vous pouvez le faire. Sadhguru, l'an dernier, vous avez fait le voyage en Amérique du Nord. Cette année, vous avez fait le voyage Save Soil. Vous avez parlé de comment les yogis voyagent partout dans le monde et sèment des graines de spiritualité et de mysticisme. Donc à part les aspects sociaux du travail, est-ce que vous faites aussi du travail mystique dans vos voyages? Non, parce que là, maintenant, on parlait de l'œuf et de la poule. Maintenant, il pense que Marc parle de ses œufs. Il ne parle pas de ses œufs. Un œuf aujourd'hui signifie, malheureusement, aux États-Unis, vous pensez au petit déjeuner. Un œuf signifie un oiseau potentiel. Allô? Oui ou non? C'est juste comme, supposez que vous entriez dans une société cannibale. Il vous regarde et il pense, ah, celui-là pour le petit déjeuner, celui-là pour le déjeuner, celui-là pour le dîner. Allô? Ça ne veut pas dire que vous êtes un petit déjeuner,
un déjeuner, un dîner. Malheureusement, vous pouvez le devenir si vous êtes au mauvais endroit. Donc, de façon similaire, malheureusement, pour ces oiseaux, si vous dites œuf, tout le monde pense au petit déjeuner. Bien fait, ou poché, ou bouilli, ou quoi que ce soit. Personne ne pense qu'un œuf est un oiseau potentiel. Quelque chose de vivant. Maintenant, les gens pensent, non, les œufs qu'on mange ne sont pas fertilisés, je sais tout ça, mais pourquoi ne vous leur avez pas donné la possibilité d'être fertile pour les manger? Donc Marc parle d'un autre type d'œuf. Un œuf signifie essentiellement que c'est une vie potentielle qui est maintenue, protégée, et qui sortira à un certain moment. Quand vous voyez un œuf, vous ne pouvez pas penser que ceci peut pousser des ailes et voler à un moment donné. Vous ne croyez pas, ça a l'air aérodynamique, peut-être que ça peut partir comme un jet, mais vous ne pensez pas que ça peut voler comme ceci. Mais ce qui en sort poussera des ailes et tout aura lieu. La prochaine fois que vous mangez vos œufs, vous devez voir un oiseau. Un tout petit oiseau qui essaie de sortir de ces liquides. Non, rien de mal, vous pouvez voir la réalité, après vous mangerez avec une certaine révérence. Là maintenant, vous le voyez juste comme de la nourriture. Non, c'est de la vie, malheureusement, nous devons le manger. Donc Marc, il ne parle pas des œufs d'oiseaux. Il parle d'un œuf mystique. Ça veut dire que vous pondez quelque chose quelque part pour que ça éclot à un autre moment. Il y a beaucoup de lieux comme ça. Où des choses spirituelles potentielles sont posées. Parce que dans leur vie, ils ne trouvent pas quelqu'un pour transmettre, alors ils le laissent quelque part pour que plus tard, quelqu'un qui a la réceptivité nécessaire le trouve et en fasse usage. En Inde, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Nous en avons trouvé certains aux États-Unis. Trop de changements ont été faits, mais il y a quand même du potentiel. Donc maintenant, il demande, est-ce que j'ai pondu mes œufs avant de venir? Vous voyez, quelle que soit la nature de votre existence, ou que vous alliez, quelle que soit la raison pour laquelle vous alliez quelque part, le but fondamental de votre vie ne change pas. Donc vous verrez dans certains endroits en Amérique du Nord et certaines parties d'Europe, vous verrez que d'ici 1 ou 2 ans, certaines choses pondront. Vous le verrez. Question inaudible. You got it. Tu as compris? Eh bien, pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas, il demande juste pourquoi il n'y a pas de Guru Amavasya. Pourquoi est-ce que Guru est associé à Pournami? Ce Pournami, comme je l'ai dit bien des fois avant, est le jour où Adiyogi, qui était un yogi, était un peu forcé à devenir un gourou. Donc, il a choisi un jour approprié.
Si vous voulez vous asseoir dehors, dans les ciels ouverts, et parler aux gens, choisiriez-vous un Purnami ou un Amavasya? Naturellement, n'est-ce pas? Ce n'est pas la seule raison. C'est aussi, comme je l'ai déjà dit, la force gravitationnelle est telle que les gens sont plus réceptifs ce jour-là. Amavasya est l'inverse de ça. Donc, est-ce qu'Amavasya est mal? Non, c'est très bien pour certains objectifs. Mais pas pour vous faire être assis dehors comme ça et vous parler en plein air. Purnami est bien, la pleine lune. Et par-dessus tout, c'est le premier Purnami de ce qu'on appelle Sadhanapada, c'est-à-dire après le solstice d'été, c'est le premier Purnami, ou pleine lune. Donc, pendant ce solstice d'été, à cause du changement qui a lieu dans les polarités de la Terre, un yogi s'ajuste toujours un petit peu. Toute vie s'ajuste. Même votre propre corps le fait, que vous le remarquiez ou pas, est la seule question. Mais pendant le solstice, le corps fait un petit ajustement pour pouvoir fonctionner dans les nouvelles conditions. Parce que la façon dont la planète est influencée par le Soleil et par d'autres planètes change de fois par an. Ce qu'on appelle le solstice d'été et le solstice d'hiver. Et quand Adiyogi fait ces changements, il a soudainement remarqué que ces sept personnes sont toujours là depuis beaucoup, beaucoup d'années, à se préparer. Supposez que je ferme les yeux et que je pars pendant plusieurs heures et que j'ouvre les yeux et que vous soyez encore là. Vous ne seriez pas là, c'est ça? Ça, c'est bien. Même là, il n'y avait que sept personnes qui ont attendu. Donc, quand il a fait ses ajustements en lui-même, il est sorti de son état et il a vu qu'ils attendaient encore. Cette année-là, le jour du solstice et le jour de la pleine lune était le même jour, comme c'était le cas il y a un ou deux ans. Donc il a décidé, ils attendent depuis beaucoup d'années, sans dire un mot, ou leur montrer le moindre intérêt. Ils attendaient quand même. Ça veut dire qu'ils ont réalisé la possibilité. Ils ne vont pas partir parce qu'ils ont réalisé la possibilité. Ils ne sont pas venus pour du divertissement. Ils savent ce qui fonctionne pour eux. Donc il a décidé. Ok. Et il est devenu gourou. Et le premier gourou, Adiyogi, est devenu le Adiguru en cette nuit. Donc il se trouvait être un Purnami. Et n'est-ce pas merveilleux? Et la façon dont la tradition s'est organisée pendant Sadhanapada, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les Amavasya sont importants parce que vous faites du sadhana. Dans le Kaivalyapada, où la floraison est censée arriver, tous les Purnami sont importants. Il y a le Taipusam, Buddha Purnami, Guru Purnima. Il y a beaucoup de Purnami importants pendant cette période, qui est la trajectoire du nord du soleil. C'est important parce que là, le soleil est dans un autre endroit, donc la lune qui contrebalance ça est importante. Vous devez regarder la géométrie, comment ça fonctionne, vous verrez qu'il y a du sens dans tout ça, il y a de la valeur dans tout ça. Parce que toute la vie fonctionne ainsi. Donc, Purnami n'est pas juste pour le gourou, c'est pour la floraison. Donc, Guru Purnima, Buddha Purnima, tous ces jours sont importants pour l'éveil. Buddha Purnima est le jour où Gautama est devenu éveillé. Danya Purnima, le jour où beaucoup, beaucoup de saints et de sages sont devenus éveillés.
Les jours de Purnami sont des jours où les choses arrivent plus facilement. Ce sont des jours qui sont liés à la floraison ou l'épanouissement. Amavasya ou la nouvelle lune est un jour où on doit travailler sur nous-mêmes. Guru veut dire « Gu » veut dire le noir. Celui qui chasse le noir. Yes, yes. Please take the microphone. Namaskaram Sadhguru. Where are you? Namaskaram Sadhguru. Yep. Where do you live? Où habites-tu? Comment est-ce que je maintiens cette proximité avec vous? La distance est très douloureuse. Hey, tu as des amis ici. J'espère que tout le monde a entendu la question, qui sont loin. La question c'est, je me sens très proche de toi, et à la fois je me sens très loin de toi. Comment est-ce que je reste proche? Vous voyez, la proximité et la distance ne sont pas des distances mesurables en tant que telles. Là, je suis assis ici en tant que personne. Mais vous n'êtes pas ici pour la personne. Vous ne devez pas être ici, assis dans la pluie, pour voir une personne. C'est nécessaire. Il y a tellement de personnes partout. Donc il y a deux aspects de qui vous êtes. Un est votre être, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment. Un autre est votre corps, votre pensée, votre émotion, vos arrangements sociaux, toutes sortes d'accessoires. Quand vous devenez investi dans vos accessoires, vous vous sentez loin. Parce que je semble n'être nulle part. Si vous asseyez simplement en tant qu'être, je serai juste là avec vous. Sans le moindre doute. Parce que, quand on en vient à l'être, il n'y a rien de tel que cet être et un autre être. Il y a juste un être. Il y a cette personne et cette personne. Il y a ce corps-là et ce corps-ci. Il y a ce mental-ci et ce mental-là. Il y a ces absurdités-là et ces absurdités-ci. Mais il n'y a qu'un seul être. Vous en avez capturé un peu et vous pensez que c'est à vous. Une fois que vous pensez que c'est à vous, vous ne l'avez pas. Donc ces moments où vous êtes méditatif, ces moments où vous sentez de l'amour, ces moments où vous êtes très joyeux, vous avez l'impression que Sadhguru est juste ici. Ces moments où vous êtes... Sadhguru semble être un autre monde. Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas? J'ai des problèmes. Non, aux États-Unis, ce n'est pas toujours des problèmes financiers. Ma copine est dopée et elle va quelque part. Pourquoi est-ce que Sadhguru ne fait pas quelque chose? Donc, vous devez juste vous déplacer vers votre être. Je dis votre être. C'est une erreur de dire votre être. Vous devez devenir plus comme un être. Alors vous verrez, la lumière et la guidance que vous voyez comme Sadhguru est là à chaque instant de votre vie. Vous êtes investi dans autre chose, vos rêves. Eh bien, vous savez que je ne fais pas partie de vos rêves.
et ce n'est pas nécessaire que je le sois. Vos rêves, vous jouez avec. Une fois que vous y êtes investi, vous regardez dans une autre direction. Une fois que vous regardez dans une autre direction, ça semble être loin. Voyez, là, vous regardez dans cette direction, je suis juste là. Si vous regardez dans l'autre direction, où suis-je? Vous devez faire le tour du monde et revenir. Donc, votre expérience d'être proche et loin est juste ceci. Quand vous regardez par ici, je suis juste là. Quand vous regardez dans l'autre sens, vous devez naviguer toute la planète. Microphone. Maintain some gender parity. Yeah, the ladies are grabbing the microphone all the time. Maintenez une égalité des genres. Namaskaram, Sadhguru. Could you dance with us? No, I'm just reminding the ladies, it's only a microphone, it's not a phone. Je rappelle les dames, c'est juste un micro, ce n'est pas un téléphone. Could we sing a song together? Sadhguru, pouvez-vous danser avec nous ce soir? Namaskaram Sadhguru. Mm-hmm. Namaskaram Sadhguru. After your 100-day journey through Europe, après votre voyage de 100 jours à travers l'Europe, after your 100-day journey through Europe, Middle East and India for safe soil, what are your plans for United States and Canada, and how can quels sont vos plans pour les États-Unis et le Canada, et comment est-ce que les Earth Buddies peuvent soutenir? Donc, quand vous dites « je suis un Earth Buddy » ou un ami de la Terre, pourquoi est-ce que vous parlez des États-Unis et du Canada? Vous êtes un ami de la Terre? Allô? Un ami de la Terre signifie quelque part, on comprend que c'est au-delà des nationalités. Donc, si vous êtes un ami de la Terre, quelle importance où vous êtes? Comme je vous l'ai dit, là maintenant, juste après ceci, après ces quelques semaines, je suis dans deux pays en Amérique du Sud, peut-être trois ou quatre pays dans les Caraïbes et après en Europe. Toutes ces nations regardent sérieusement comment faire avancer Safe Soil, et ce sont des petits pays qui n'ont pas une grande capacité scientifique. Donc, nous sommes dans le processus pour créer un comité de 20-25 personnes qui peut techniquement soutenir ces pays. Certains de ces pays, la dernière fois quand j'y étais, ils sont même prêts à dédier une île, à nous donner une île de 4 ou 6 ou 7 kilomètres où on peut démontrer comment les cultures peuvent être plantées de façon régénératrice. Quand je dis régénératrice, je ne parle pas de façon très fanatique de voir les choses. Remettre la matière organique au sol est la chose la plus importante. Vous pouvez dire que je ne vais pas utiliser de produits chimiques, etc. Vous pouvez le faire pour vous-même. Mais quand vous parlez de nourrir 8 milliards de personnes, vous ne parlez pas comme ça. Vous élevez la matière organique, puis naturellement, le taux de produits chimiques baissera. Ça prendra peut-être 10 à 15 ans, peut-être 20 à 25 ans, dépendamment de la vitesse à laquelle vous travaillez. Donc, c'est ça la façon d'avancer. Si nous voulons faire ça, si nous ne voulons pas déranger l'agriculture sur la planète. Supposons que demain, on arrêtait tous les pesticides et engrais, etc. La production mondiale de nourriture dans le monde descendra à 20 à 25%.
ça c'est de la mort directe. Donc ne parlons pas de façon irresponsable, c'est important d'élever le niveau de matière organique dans le sol. Nous parlons à différents groupes d'industrie, etc. pour voir si nous pouvons compenser ces nations. Nous voulons faire une démonstration avec un pays en Afrique, un dans les Caraïbes et un État en Inde pour démontrer que ceci peut être fait en 3 à 4 ans. Si les gouvernements bougent par eux-mêmes, super. Autrement, pour qu'ils bougent vite, nous voulons amener du financement privé pour apporter au moins 50% de compensation aux agriculteurs. Je n'ai aucun doute sur le fait que le monde avancera dans cette direction. C'est juste une question de vitesse. Est-ce qu'on le fera maintenant ou est-ce qu'on le fera demain? Demain est quelque chose de dangereux parce que ça ne vient jamais. Ce sera remis à plus tard jusqu'à ce que le grand désastre ait lieu. Ça, c'est le problème humain. On n'évite pas les désastres. On attend qu'ils arrivent et après on se plaint, on pleure et on crée des films. Donc si ça doit arriver, ça doit arriver à l'heure. Si certains d'entre vous sont compétents pour le faire, c'est super. Nous avons besoin d'une équipe forte de personnes qui peut voyager, qui peut faire des choses et qui peut faire en sorte que ceci arrive dans les gouvernements. Je ne peux pas aller dans tous les pays dans le monde continuellement comme ceci, mais le G20 arrive en Inde bientôt. Nous sommes inclus officiellement dans ces réunions. Parmi ces 130 réunions, nous en faisons partie de au moins 30 de façon officielle. Donc nous allons affecter ceci dans le G20. Tout ceci a besoin de pouvoir de backup. Maintenant, le problème, c'est que nous avons des consécrations, nous avons des programmes spirituels qui augmentent, qui avaient arrêté pendant le Covid. Maintenant, on les remet. Il y a des événements spirituels, de l'infrastructure spirituelle qui est construite. À l'intérieur de ce salle, le sol est quelque chose d'énorme. Beaucoup d'entre vous qui ont la compétence nécessaire, ou on peut vous former pour ça, mais nous avons besoin d'une équipe de au moins 50 à 100 personnes fortes dans le monde, si elles viennent toutes des États-Unis, si c'est super. Si on a 100 personnes qui sont prêtes à dédier au moins 3 à 4 heures par jour, et quand ils doivent voyager quelque part, ils devront voyager, on s'occupera des coûts du voyage, mais on ne peut pas vous payer un salaire ou quoi que ce soit. Au moins 4 heures par jour, si vous dédiez, on peut faire en sorte que ça arrive. On peut littéralement faire en sorte que ça arrive sur le terrain. Donc j'ai besoin de ces personnes. Tous ces... Est-ce qu'ils viennent ou non? Ou ce sont juste des chats qui vont s'échapper? Vous savez, les chats ne sont jamais... on ne peut jamais compter sur eux. Au moins, si vous faites ouf ouf, je peux vous croire. Namaskaram. Namaskaram. Sorry. Ladies first, I guess. Yes, please. Namaskaram, Sadhguru. My name is Durgesh Nandini. Namaskaram, I Sadhguru. I have a question. There are certain rituals which are important in Indian culture. Il y a certains rituels qui sont importants dans la culture indienne. We name him with the specific alphabet. Second thing is like after during the sixth day. Quand un enfant est né, we say that on lui donne un nom avec un certain alphabet. You know, we call it as Chetty Puja. So I wanted to know the significance. Ensuite, à un certain âge, on dit que son destin est écrit. And that particular day, Puja, impacts his journey. Because when I take my name as Durgesh Nandini, it empowers me. Et comment un certain Puja, and I want to know the reality of it. Affecte son trajet. Well, in India. Eh bien, en Inde, il y a des rituels et des processus. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont devenus de simples rituels, mais si vous les observez attentivement, il y a une certaine profondeur.
en eux, la plupart entre l'humain. Le rituel commence avec le mariage, il y a un rituel pour la conception, il y a des rituels à différents stades de la grossesse, il y a un rituel pour la naissance, il y a un rituel pour quand il commence à manger de la nourriture, quand il commence son éducation. Parce qu'un être humain, enfant, est devenu sans forme. Vous n'êtes pas venu comme les autres créatures. Les autres créatures sortent du ventre de leur mère et puis en deux jours, ils courent partout. Mais un enfant humain vient en grande partie sans forme. Si vous ne moulez pas correctement, cette vie ne deviendra pas grand-chose. Mouler n'est pas juste une question de donner de la nourriture. La nutrition vient de beaucoup de choses différentes. Si nous faisons ceci correctement dans le monde, nous créerons beaucoup de grands êtres, c'est sûr. Mais ça demandera ce niveau d'engagement envers une nouvelle vie. C'est pour ça que je dis aux jeunes femmes, si vous n'êtes pas engagées, si vous voulez faire autre chose, ne le faites pas, ce n'est pas nécessaire. Ne faites pas d'enfants à moins que vous soyez prêt à y dédier votre vie pendant au moins 18 à 20 ans. Si ce n'est pas possible, pourquoi faire ça? Parce que, à moins que vous ne puissiez créer une vie qui est meilleure que vous, vous ne devriez pas le faire. D'une façon ou d'une autre, au moins la génération prochaine devrait être un pas devant vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans la biologie, c'est dans la façon dont vous moulez l'enfant. Mouler ne veut pas dire leur donner des morales, des éthiques, non. Génétiquement, vous pouvez mouler l'enfant vers une autre possibilité. Donc voilà le but de ces rituels, je ne veux pas rentrer dans le détail. Là maintenant, plusieurs d'entre eux sont faits dans le temple Devi, en Inde. On peut aussi l'amener ici, mais on doit former des gens, ces chats. Je veux attraper ces chats. Parce que ça demande une approche très dédiée et engagée pour former des rituels de naissance, de vie et de mort. Nous voulons former des gens pour ça, mais où sont-ils? Ils veulent venir deux jours ici et partir ailleurs. Ça ne marchera pas parce que ça demande un certain investissement de vie et d'énergie. S'il y a des chats ici, je vous ai dit, les chats, on ne peut pas compter sur eux. Ces chiens, je leur fais plus confiance. Donc, si vous êtes un d'entre eux, faites-le, s'il vous plaît. Probablement, d'ici l'année prochaine, on pourra commencer une formation pour que ça soit fait ici. On peut aussi vous aider à installer des espaces où vous voulez pour pouvoir les faire là. Ça peut être fait n'importe où. La seule chose, c'est qu'on veut une intégrité absolue. Ça, c'est le problème avec un rituel. Une fois que vous êtes capable d'affecter la vie de quelqu'un d'une certaine façon, alors c'est très important que vous soyez d'une certaine intégrité, autrement ça devient la source d'exploitation. C'est ce qui a eu lieu traditionnellement. Les rituels sont devenus tellement corrompus. Tout est devenu commercial d'une certaine façon. À cause de ça, les gens ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ils se sont débarrassés des rituels à cause de la corruption. On aurait dû se débarrasser de la corruption et maintenir le processus. Mais malheureusement, les gens ne sont pas capables de distinguer l'un de l'autre. Donc nous pouvons ramener ces choses. Si vous me montrez que vous êtes des gens de ce niveau d'intégrité, ou même si je vous donne un outil où vous pouvez décider la vie et la mort de la personne qui est devant vous, que vous n'en prenez jamais avantage, si vous me montrez ça, on peut vous former. Les Européens, ils se sont juste réveillés pour le satsang et ils attendent de se recoucher, donc je ne sais pas combien de temps on doit les tenir. Les Indiens,
Il vient de se réveiller, pas de problème. Vous, ça va? Si je vais là-bas, vous pouvez m'avoir dans la caméra? Oh. So those of you who are online, we will continue the process, but we will kind of officially close it now so that if you want to drop off, you can. Donc ceux d'entre vous qui sont en ligne, on va continuer le processus, mais on va officiellement fermer maintenant pour que si vous vouliez partir, vous le pouvez. Shambho, 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 Shambho. Shambho, Shambho.
Shambha, Shambha, Shambha.
Shambha, 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 amen.
there are certain things you will know only by plunging in. If you just breathe this energy which is all over the place, even the physical process of life could be reversed in many ways. We're only talking about moving from the mundane to the mystical. Nous ne parlons que de passer du mondain au mystique, du logique au magique. Et ça accélérera le trajet de l'individu vers la conscience.